Ça se sépare. La technique. Pas du tout une fin pour nous, mais vraiment une source de motivation. De votre avenir. Mais si vous posez des questions, je vais plutôt faire dans la chirurgie, mais peut-être que je vais... Enfin, en soi, vu que c'est vraiment pour se préparer. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'en fait... Si autant se pencher dessus, autant s'y mettre... Il faut aller chercher des réponses dans les documents, il faut être capable d'élaborer. Le fait de travailler ensemble, de faire des recherches, ça motive, je crois. Et lui permet d'engager de suite dans un processus un peu plus jeune ou moins... Des moyens technologiques, mais qu'ils voient l'innovation juste comme une situation d'être capable de prendre des décisions. L'amour et l'intérêt des jeunes pour les sciences mathématiques. Dans le macroscope et le dernier sketch. Une petite déficience. Il y a un domaine extrêmement vaste. Et aussi, il y a tout un tas de. Des émotions. Je ne sais pas si c'est exactement le but. Il y a d'autres actions qui sont faites comme et ça. C'est qui fassent consensus et qui nous permettent. Effectivement pour faire cette réforme. Et en troisième lieu, comment on fait pour décider quand les projets sont bien mûrs et quand les enseignements sont forts, qui poursuit d'une certaine manière vraiment remarquable que nous venons d'écouter pour remercier Mi. Terme un peu barbare, le middleware de l'éducation. C'est modifier chaque ressource pédagogique. Quelque chose tout à fait intéressant. Actuel. On a aussi d'aussi changer l'approche des grands numérique. Enjeux sur lesquels clairement mon parcours via d'accroches différentes. On conseil académique pour la vie lycéenne. On essaye dans lequel j'interviens. En d'autres termes, cité d'ailleurs. Vous avez dans la pratique que de la pédagogie. Pour que la réponse à APB si elle est favorable, en contactant les parents, les élèves, les familles, etc. Qui va sur les filières liées au génie civil et au sens à la dureté scientifique de la vie. Je pense que l'école du Grand Est ou de l'Académie d'Aix-Marseille. Le point central de toute politique éducative, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place, bien chose entre les mains aujourd'hui. C'est exceptionnel. Ce n'est pas très fréquent. Je vous remercie toutes les deux parce que je me réjouis que la dynamique soit celle que les secondaires se posent systématiquement la question. Parce que très souvent on dit que la génération Y voilà. Et puis pour très, très gentiment aussi, par la ministre de l'Éducation. Voilà. Mais le lien social, c'est essentiel. Si on était assez le lien social est avec les élèves, sur un les jeunes. Des verbes d'action, et avec chaque action, des pompes. Voilà, ce qui donnait l'impression donc, si aux gens de passion énorme par rapport à des pratiques journalistiques, par rapport à des dérapages, etc. Il y a des gens qui peuvent créer des journaux au sein de la...